We in Bayern we have uh, Robert Lewandowski. You know Robert Lewandowski? Robert Lewandowski, you know? Lewandowski Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour le débrief de la victoire du Barça face à Alaves. Un déplacement qui aurait pu être piège, la vérité, parce que cette équipe d'Alavès, une équipe qui avait un peu fait peur au Real Madrid la dernière fois au Santiago Bernabéu, le Real s'était arrêté de jouer 3-0, Alaves avait failli remonter. Le Barça s'est arrêté de jouer aussi ce soir après le 3-0, au bout de 30 minutes, ça y est, le match était plié et le Barça a levé le pied. Après... Vous savez, moi, je peux comprendre, je ne veux pas être frustré ce soir parce que lorsque tu vois le nombre de blessures, le nombre de, de matchs qui s'enchaînent, même Léon Dusky lui disait à la fin du match que ils ne sont pas habitués à jouer autant de matchs en si peu de temps, on a vu encore une fois, Carvaral qui a une grosse blessure hier avec le Real Madrid, je pense que dans la tête des joueurs, des trucs comme ça... Ben, ça fait ça fait écho en fait, ça résonne au bout d'un moment. Ils pensent à ça lorsqu'ils plient un match, ben, ils ne vont plus se donner à 200% pour aller mettre un 7-0 juste pour aller mettre un 7-0. Alors, en tant que toi, euh, supporter, amateur de football derrière ta télé, c'est sûr que lorsqu'ils lèvent le pied comme ça et que le match devient ennuyeux, ben, c'est sûr que toi, tu te fais chier. On va pas se mentir, cette deuxième période, j'ai eu l'impression qu'ils ne sont pas du tout sortis des vestiaires. Mais encore une fois, c'est compréhensible. Il faut qu'il y ait de la gestion et c'est ce que le Barça a fait à partir du 3-0. Même avec ça, le Barça aurait pu mettre encore 4-5, parce qu'il y a eu des ratés, faut pas l'oublier. Alors, déjà, j'aimerais parler de M. Iñaki Peña, c'est plus possible. Franchement, c'est plus possible. Monsieur chezny s'il te plaît, viens me sauver. Viens me sauver parce que là, ça va plus. Ça va plus, ça va pas, ça va pas. En fait, on, on mène quand même 3-0. imagine un peu la chose, la dinguerie. Tu mènes 3-0, mais t'es pas serein parce que t'as l'impression que derrière, t'as personne dans les cages en fait. Un tir peut être égal à un but. On l'a vu sur les buts hors-jeu. À chaque fois qu'il y a une tête, il est là à faire des poses mannequins. Mannequin challenge. Comme un robot. À chaque fois, frérot, fais semblant au moins de plonger. Ça m'a rappelé, ça m'a rappelé Ter Stegen. Parfois, quand il voit des frappes, il est là, il, il fait le robot aussi. En fait, ce que je dis, il n'y a pour moi, c'est Ter Stegen, mais en plus nul. Tout simplement. Même dans la gestuelle, il ressemble à Ter Stegen. Même dans la manière de se tenir, il ressemble à Ter Stegen. Il a pris que les défauts de Ter Stegen, j'ai l'impression, parce que même sur le jeu au pied, les relances, quand, à chaque fois que le ballon n'est pas à terre, chaque fois qu'il fait une relance, c'est directement soit dans les pieds adverses ou directement on touche. Waouh Donc franchement, là, moi, je me rappelle, vous m'aviez posé une question. Il n'y a pas si longtemps, qu'est-ce qu'on fait avec la blessure de Ter Stegen, je vous disais comme un con, ouais, je l'assume, comme un, un abruti, un idiot, je vous disais, ouais, on va rester à Kinyaki-Peña jusqu'au mercato d'hiver, et puis là, on va commencer à voir sur le marché de, du mercato d'hiver. C'est avec ce gardien-là, là. ta saison, elle est peut-être finie d'ici l'hiver avec lui. Parce que tu sais qu'à chaque match, tu pars à 10 contre 11. Des corners où il est censé prendre le ballon de la main, tranquillement, sans aucune pression, sans aucun stress. Même là, il dégage de la peur. Il n'arrive pas à rassurer ce coéquipiers. Il n'arrive pas à s'assurer déjà lui-même. Donc heureusement que ça y est, on a signé Chezny. Et la prochaine journée de Liga contre Séville, il doit être titulaire. Parce qu'Ignac Peña, face au Bayern, on va se faire ouvrir en 50, je vous le dis tout de suite. Donc j'espère que là, là, on va même pas essayer de. Ou non, on va quand même essayer de faire respecter l'ancienneté. Il était là depuis un petit non. moment Non, 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 dès le match face à Séville, il va falloir le sortir du 11 si on ne veut pas perdre nos prochains matchs contre le Bayern et le Real Madrid on On vu le real en plus à chaque fois ils ont des gardiens qui les sauvent dans des matchs importants tu pars avec Tu pars tu Peña, tu tu pars un un handicap de fou furieux. furieux. no, pas possible, un in inenvisageable après avoir parlé de M. Iñaki Peña, concentrons-nous maintenant sur les choses beaucoup plus positives, parce qu'il y en a eu dans ce match. En première période, le Barça a vite tué cette équipe d'Alaves parce qu'on le sait encore une fois, des déplacements comme ça à l'extérieur, ça peut être piège. Très rapidement, ça peut devenir piège si tu commences à te douter. D'autant plus qu'Alaves est une équipe quand même assez joueuse. On l'a vu pas mal de fois, mais ils ont été pris au piège du hors-jeu 11 fois! 11 fois. En fait, le piège du hors-jeu pour moi était une meilleure défense, était un meilleur euh, atout que avoir une équipe ignat dans les goals. Je pense que flic il savait que dans les goals, il n'y a personne. Donc autant empêcher l'adversaire d'arriver devant les buts. Parce que tu sais que si tu les laisses dans des face-à-face ou si tu défends bas, t'es mort parce que tu t'as pas de gardien. Donc autant essayer de les mettre en hors-jeu le plus possible. 11 fois hors-jeu. Je pense que je n'ai jamais vu ça. 11 fois hors-jeu. C'est une dinguerie. Donc, ça, là, ça marche face au plus gros. Je pense que Flick va pas réunir encore une fois ses principes face au Real Madrid, face au Bayern. Il va continuer à essayer de faire le piège du hors jeu. Mais faut le dire, la vérité, c'est que c'est tellement bien structuré, c'est bien coordonné. Entre les défenseurs, tu as l'impression que c'est vraiment bien travaillé, en fait, que la ligne, elle est tout le temps bien alignée. Mais j'ai juste peur, en fait, qu'un jour, un joueur ne s'aligne pas bien et t'es mort, en fait, parce que les boulevards derrière, waouh! Waouh! Bref, le piège du hors-jeu qui a quand même malgré tout bien fonctionné aujourd'hui aussi. c'était étaient frustrés, les joueurs d'Alavés, parce qu'ils se disaient c'est pas possible, au bout d'un an, ils doivent se tromper. Mais en fait, non. La va revenait à chaque fois dessus. Même les En fait, je pense que le Barça, c'est l'équipe qui fait le plus travail, les arbitres te touchent. Ils doivent lever leurs mains tout le match, à chaque fois. Là, contre Alavés, c'était le paroxysme de ce qu'on a vu par rapport au piège du hors-jeu. Euh, une chose positive aussi, s'il vous plaît, les amis, parlons un peu de M. Robert Lewandowski plus que jamais meilleur buteur de la Liga et l'un des meilleurs buteurs d'Europe si ce n'est le meilleur faudrait voir parce que là j'ai vu une stat passer je pense qu'il a plus de buts là maintenant que Erling Haaland on parle là d'un des meilleurs buteurs d'Europe à son prime là Erling Haaland il est censé être là, là à son niveau le plus élevé tu vois Lewandowski qui est là pour compétir avec lui pour le, la place de meilleur buteur d'Europe à 36 piges donc, franchement, ça force le respect. Et le pire, c'est que tu vois pas, en fait, Lewandowski de ski devoir prendre le ballon derrière, essayer d'aller marquer. Il met que des tapines c'est ce qu'on lui demande, en fait ce on lui a toujours demandé la différence par rapport à la saison dernière ou la, la différence par rapport aux saisons d'avant avec Xavi c'est que là, il a un volume d'occasions beaucoup plus élevé. On regarde là, là son nombre d'occasions qu'on qui, qui, qui qu génère, je veux dire, pour, pour lui, les ventes de ski, c'est le jour et la nuit par rapport aux saisons dernières. Là, tu as l'impression que même s'il rate un face-à-face, -face, il en aura un autre, en fait. Il aura une autre grosse occasion parce que les joueurs le cherchent et aussi parce que le Barça, encore une fois, génère beaucoup d'occasions. Alors, il a toujours besoin parfois d'un face-à-face ou une occasion. Avant de mettre un but, c'est plus le Lewandowski clinique, je veux dire, du Bayern, mais il s'en rapproche quand même. Là, on retrouve un peu le Lewandowski du Bayern qui a plus besoin de décrocher au milieu de terrain pour toucher 50 ballons par match. Il n'a pas besoin de toucher 50 ballons. Les ballons, le peu de ballons que tu touches, juste mêlés au fond. Et c'est ce qu'il fait. Ce qu'il fait depuis le début de la saison et ses stats, elles ne mentent pas en fait. Quand tu joues comme ça, lorsque tu es clinique devant le but, lorsque tu marques, lorsqu'on a besoin de toi, euh, forcément que tu fais du bien à l'équipe, tu fais du bien à tes coéquipiers et ils te font confiance aussi. Lorsqu'il y a des opportunités, ils savent que lorsqu'ils vont te trouver, tu auras jusqu'à pousser le ballon au fond. Donc, il n'a pas, à... même dans le pressing, en fait, je vous ferai une vidéo dessus peut-être plus tard. Tu sens que, voilà, on essaie de l'économiser lui dans le pressing pour utiliser ses qualités offensives le plus possible parce que Levandoski, c'est plus un mec qui va pouvoir te faire des courses de 40 mètres de pressing. C'est plus possible à son âge. Donc, je, je, je trouve que Flick réussit très bien à l'utiliser avec l'âge qu'il a aujourd'hui. Il connaît ses faiblesses, il connaît aussi ses qualités. Euh, parlons, s'il vous plaît, de Rafinha parce que Rafinha, en fait, j'ai vu la stat passée, je pense que c'est du frérot Barça passionné. Euh, Rafinha a atteint je pense 20 passes décisives en Liga. 20 passes décisives en Liga en même pas je pense euh, 70 matchs je pense ou un truc comme ça alors que on fait la comparaison avec monsieur Ousmane Dembélé qui a eu besoin de plus de 92 matchs il me semble ou 92 matchs pour atteindre les 20 passes décisives en Liga. Plus de 4000 minutes entre les deux joueurs pour atteindre le même nombre de passes décisives. On parle là d'un joueur qui n'a qui, qui a même pas encore, je pense, hein, fait la moitié euh, du temps que Dembélé a passé au Barça. Et il est en train de le dépasser dans des stats où Dembélé était censé être l'un des meilleurs au Barça. Parce qu'à chaque fois, on disait, oui, Dembélé, d'accord, il ne marque pas. Mais au moins, il fait des passes décisives. Mais même là, maintenant, même au niveau des passes décisives, Rafinha est en train d'effacer sa legacy. Et moi, je vous avais dit quoi en début de saison Je vous disais que Rafinha, ben, je l'attends au niveau des stats ce, cette saison. Je l'attends au niveau des buts, ainsi que des passes décisives. Je vous avais fixé un objectif de 30 goals assists. Je pense qu'il en est déjà à 11... Euh, ouais, il me semble qu'il a est à 11, non Dites-moi, dites-moi dans les commentaires si vous savez, toute compétition confondue, il en est à combien Mais de base, vous savez, la saison dernière, il avait fait, je pense, 22 goals à 6. Je vous avais dit que c'était pas mal, mais que je voulais qu'il fasse plus parce qu'il était en mesure de faire plus et là il en est déjà à 11 et la saison est loin d'être ne serait-ce qu'au milieu donc j'espère que Rafinha continuera comme ça parce que ce qu'il montre là, là depuis le début de la saison sur la constance euh, franchement c'est mérité, et là, le brassard de capitaine il fait honneur à ce brassard de capitaine euh, j'ai hâte de le voir aussi dans les gros matchs parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui Rafinha c'est que dans les petits matchs euh, en oubliant que Rafinha était décisif face au PSG la saison dernière mais on aimerait aussi qu'il soit décisif dans les plus gros matchs, si là il est décisif face au Bayern ou face au Real Madrid euh, ça veut dire qu'il aura passé vraiment un step dans sa carrière avec le Barça. Parce que oui, il a été important dans des matchs, ben, plein de matchs, même dans des matchs encore une fois importants comme le, au PSG, à l'aller comme au retour. Mais là, là, ça va être les tests les plus importants du début de saison du Barça. Entre le Bayern et le Real Madrid, si tu sors des masterclass dans ces matchs-là, ça y est, il sera définitivement entré dans le cœur des Barcelonais, à 100%, parce qu'il y a encore des sceptiques. Là, j'aimerais en fait qu'il ferme des bouches totalement, en fait. Donc le Barça continue sa marche en avant. Allez, trois points d'avance avant la trêve. C'est important de faire un peu de rotation aussi, je hein, euh, Antiflick, pardon, l'a fait. Euh, Ansu fati j'ai aimé son entrée, même s'il n'a pas eu de réussite devant le but, mais j'ai aimé la manière dont il se proposait devant la surface de réparation. C'était l'une de ses qualités, c'était de se retrouver dans des bons endroits pour être encore plus clinique qu'il ne l'a été, par exemple, aujourd'hui. Euh, je pense que une, des occasions comme ça, dans deux ou trois matchs, il va les mettre au fond. Je vois une certaine montée en puissance. c'est pas encore exceptionnel, c'est pas le Ansu fati Prime, je pense je ne pense de toute façon pas qu'on retrouvera le Ansu fati Prime, mais s'il peut avoir ce sens du but, Là, se retrouver dans la surface de réparation pour réussir à finir des actions, moi ça sera déjà beaucoup et c'est largement mieux que Ferran Torres qui s'est d'ailleurs blessé, euh, qui est sorti sur blessure en début de match. Euh, je préfère un Fati qui n'est peut-être pas au top à 100% de ses capacités que Ferran Torres. Il y a la, la différence en fait, elle est, elle est flagrante. Donc je préfère un Fati l'avoir comme option que d'avoir un joueur en fait qui ne, qui ne te sert à rien. Frankie Jong qui a eu des minutes de décrassage ce soir aussi, pas grand chose à, à dire de son entrée. Voilà, il n'a même pas je pense qu'il n'a même pas touché beaucoup de ballons. Le Barça n'a pas mis n'a pas réussi, je veux dire à mettre le pied sur le ballon en deuxième période, à la veste est monté en puissance, il voulait au moins sauver l'honneur. Voilà, euh, on n'a pas vu euh, beaucoup de joueurs du Barça en deuxième période, mis à part les occasions manquées là qui auraient pu faire le 4-0. Mais voilà, c'est tout ce qu'on demande de là là, c'était pas d'avoir de c'était pas d'avoir pas de blessés avant la trêve et de ne pas dépenser de l'énergie de manière inutile. Tu as besoin de victoires comme ça, de victoires dans la tranquillité. Certes, tu as eu des buts ratés de la part d'Alaves par, par rapport au hors-jeu. Euh, tu as je sais pas si c'est considéré des occasions ça parce que c'est hors-jeu en, vé en vérité, c'est pas c'est pas des occasions parce que c'est travaillé. On peut pas dire que ouais, le hors-jeu, le hors-jeu mais c'est travaillé les gars. Donc voilà, j'espère que le Barça continuera sur sa lancée après la trêve internationale. Je ne vous même pas que j'ai peur au niveau des blessures et tout. Là. On va surveiller ça, espérant que voilà, ça ne fasse pas mal au Barça parce que juste derrière, tu as de gros matchs qui peuvent déterminer ton début de saison. Donc voilà, les amis, dites-moi vous qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, comme vous le savez, prenez tous soin de vous et à très vite.